Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Koko Fata Kita, la même heure partout au Mali. Le journal. Koudi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les notaires parlent de leur profession, notamment les thèmes relatifs à leurs préoccupations. C'est à l'occasion des travaux des États généraux du notariat au Mali. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a salué le rôle de la profession dans la sécurité juridique. Mali Digital Awards regroupe les jeunes start-upers autour du thème « La souveraineté numérique, défis et opportunités » au programme des panels, ateliers et concours d'invention entre start-up et expositions autour de l'infrastructure numérique. L'actualité sportive dominée par les préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles Olympiques footballeurs bouclent leur préparation par un match amical cet après-midi contre un club de 4e division française. Enfin, la chronique du développement revient sur les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Ouverture hier des travaux des États généraux du notariat au Mali. Les notaires du Mali ont 2 jours pour faire l'état des lieux de la profession à travers les thèmes sur des préoccupations auxquelles le notariat est confronté. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre en présence de plusieurs membres du gouvernement. Dr Choguel Kokala Maïga a déclaré que l'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace passe par des réformes et innovations. Il n'a pas manqué de saluer le rôle que la profession joue dans la sécurité juridique. Reportage, Mamari Kone et Aliou Touré. Le notaire est un acteur majeur de la sécurité juridique, du recouvrement d'impôts, du développement économique et de la paix sociale. C'est autour de ces thèmes que se tiennent les états généraux du notariat au Mali. Ce forum, voulu par le ministre en charge de la justice, se tient en prélude aux états généraux de la justice. Maître Demba Kone, président du comité scientifique. Le notariat malien est une institution responsable, habituée à la remise en question régulière, à l'autocritique, à l'autodiagnostic, pour pouvoir s'adapter à toute évolution du monde. Selon le président de l'Ordre des notaires du Mali, ces assises constituent un cadre approprié pour apporter la contribution de la profession dans la refondation de notre pays. Maître Yacouba Massama Keïta, président de l'Ordre des notaires du Mali. Au cours de ces états généraux, vous êtes appelé à faire l'état des lieux de la profession, à vous pencher à travers quelques thèmes sur les grands problèmes auxquels le notariat est confronté aujourd'hui, dont entre autres le défi de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption. Après la tenue des états généraux du barreau en juillet 2023, la tenue de ceux du notariat participe, selon le Premier ministre, des nouvelles orientations visant à donner à notre pays de nouvelles assises solides. Dr Choguel Kokala Maïga. Face à l'évolution de l'environnement juridique, politique, économique et social, il appartient aux organisations professionnelles de veiller à une mise à niveau constante des normes et des règles qui gouvernent leur organisation et leur fonctionnement, mais aussi une réadaptation de leurs membres quant aux nouvelles exigences liées à la réforme, l'éthique et la déontologie. La profession de notaire, à l'instar des autres professions juridiques, n'échappe pas à la réalité au regard des mutations socio-économiques de notre pays, ainsi que le contexte lié notamment à la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, la spéculation foncière et l'insécurité juridique. L'actualité s'est invitée à cette cérémonie d'ouverture des états généraux du notariat avec la campagne médiatique contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le chef du gouvernement a dénoncé le comportement des pays, organisations et autres ennemis de la Confédération. La Confédération de l'AES a confirmé le retrait définitif des 3 pays membres de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, en réponse, ne s'est pas posé la question pourquoi ils sont partis. Elle est restée dans les anciennes méthodes. Les sanctions, le bâton, on menace de sanctions. Mais on a fait ça contre le Mali, ça a échoué. On a fait contre le Burkina, ça a échoué. On a fait contre le Niger, ça a échoué. Mais pourquoi ne change pas? Les êtres vivants ont une caractéristique, c'est leur capacité de tirer des leçons de ce qui arrive. Comment une organisation
ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé. Les travaux de deux jours seront l'occasion pour débattre des revendications actuelles du notariat, comme la réduction des droits d'inscription des hypothèques, la baisse des droits d'enregistrement des mutations à titre gratuit, entre autres. De nos jours, le Mali compte 61 notaires, dont 19 femmes. La souveraineté numérique, défis et opportunités, c'est le thème de la 4e édition du Mali Digital Awards. La cérémonie de lancement de cette édition s'est déroulée hier au Centre international de conférences de Bamako. L'événement est placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Panel, ateliers, concours d'invention entre start-up et exposition autour de l'infrastructure numérique sont au rendez-vous. Le compte-rendu de Alousseni Touré. Les organisateurs de Mali Digital Award disent faire confiance au génie malien capable de nombreuses prouesses, notamment en matière numérique. Ada Wolegem, coordinatrice de Mali Digital Award. Selon les dernières statistiques, le secteur numérique au Mali a connu une croissance de 15% l'année dernière, avec plus de 500 start-up créées depuis le lancement de MDA. Notre objectif reste de bâtir un cadre durable qui donne la priorité aux personnes. La ministre en charge de l'entrepreneuriat relève la pertinence du thème de cette édition, à savoir souveraineté numérique, défis et opportunités. Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces défis, cependant, présentent aujourd'hui d'énormes opportunités. Et parmi ces opportunités, on peut citer l'innovation et l'entrepreneuriat. Effectivement, le numérique nous offre une plateforme pour la création d'entreprises et d'innovation. Nos jeunes entrepreneurs peuvent désormais créer des solutions qui répondent aux besoins locaux et globaux. Et il faut le dire, la digitalisation est aujourd'hui un vecteur de création d'emplois dans des secteurs variés tels que le développement de logiciels, la gestion des données, la cybersécurité. Quant au ministre d'État en charge de l'administration territoriale, il a mis l'accent sur l'importance de la souveraineté numérique. Les données étant aujourd'hui la matière la mieux convoitée, leur protection et leur maîtrise restent un véritable défi pour notre pays. Colonel Abdoulaye Maïga. La souveraineté numérique est un enjeu crucial pour notre pays, touchant à notre capacité à contrôler nos propres données, à protéger notre infrastructure numérique et à développer des solutions locales répondant à nos besoins spécifiques. L'épisode malheureux de la prise d'otage de notre base de données RAVEC par un prestataire étranger commande que nous intégrons définitivement l'importance des données pour toutes les composantes des forces vives de notre pays. Chacun doit bien comprendre que les données sont le nouvel or noir économique, que c'est à partir de ces données que se crée la richesse, à partir de ces données que se crée l'indépendance, à partir de ces données que se crée l'innovation. Plusieurs panels seront animés par des spécialistes, des ateliers et des concours seront organisés et déjà les stands refusent du monde. AES Actualité. Pas besoin d'être d'une même nationalité pour fonder un foyer, ça les Maliens l'ont bien compris depuis longtemps et tissent les liens de mariage avec plusieurs étrangers vivant sur notre territoire. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont toujours eu une relation de fraternité bien avant l'AES. Les couples se forment et vivent en parfaite harmonie. C'est ainsi que les couples Aïdara et Drabo ont décidé d'ouvrir leurs portes à l'ORTM. Une vie en symbiose qu'il nous montre et accepte fièrement le titre de couple AES. Moussa Papa Aïdara, Sidiki Balou. Bagadadji, l'un des plus vieux quartiers de Bamako. Il peut être aussi appelé le quartier général des Haoussa, appellation renvoyant à l'ethnie dont ils sont issus. Il s'agit de cette forte communauté nigérienne présente à Bamako depuis belle lurette et qui a trouvé le confort au milieu du grand marché. Présent à Bamako depuis plus de 20 ans, il se fait appeler Bois Sissé, nom d'emprunt, compte tenu de son intégration parmi les Maliens. Il reste l'un des Haoussa le plus connu sur la place, cela à travers le service qu'il propose, notamment le rasage, la circoncision ou son talent de grand guérisseur. Youssouf Maïsoro, commerçant nigérien. Je suis venu ici, mais alhamdulillah, il n'y a personne qui m'a abattu, personne. Je rase, je suis des enfants, j'élève des engins
et puis je vends un peu des médicaments, un peu. Alhamdulillah, les Maliens, ils sont gentils. Le rasage, c'est une technique calculée au millimètre près et qui a besoin d'une certaine concentration. Ce travail est l'activité la plus génératrice de revenus pour les hommes Haoussa. Les femmes sont plus dans la vente des articles divers. Soumaïla Cissé et son voisin s'en sortent bien avec ce métier qu'ils maîtrisent depuis le Niger. Soumaïla Cissé, coiffeur. Je suis au Mali depuis 2002. La clientèle ici reste les Maliens et les Nigériens. Nous sommes les meilleurs dans les rasages. On les fait à 300 francs CFA. Ousseini Mahamadou, coiffeur. On arrive à subvenir aux besoins de la famille avec ce que nous faisons. Mamadou Maïga, client. J'aime bien leur style de rasage et ce n'est pas comme les autres coiffeurs. Ils font bien ce travail. Jonchant l'arrière-cour de la grande mosquée de la capitale, les Haoussa sont installés en maître. Ils proposent divers articles aux clients, comme les chapelets et les tapis de prière. Pour le style, le chapeau nigérien est le plus prisé. Jamilou Nuhum en a fait son fonds de commerce. Il peut vendre une cinquantaine de chapeaux par jour. On appelle ATT. Ça, c'est pour les Maliens, pour les Nigériens. On est là en train de vendre ça au Mali chaque jour. La manucure-pédicure a aussi permis à certains de s'installer à leur propre compte. Difficile en ce moment de faire la différence entre un Malien et un Nigérien. L'accent n'est plus un indice et ils parlent presque tous Bambara, l'une des langues officielles du Mali. La cohabitation semble faire fruit. Qui a tout Sangaré, commerçante à Bagadadji. Il y a même les liens de mariage entre nous. Le vieux Haoussa Boississé nous apporte une grande aide. Il prend soin de nos enfants malades. Ici, on se croirait véritablement à Niamey. Les Haoussa se démarquent aussi par leur gastronomie atypique, qui est désormais du goût de leur hôte. Des brochettes de poulet enfuies dans le sable, une grillade dont ils sont les seuls à avoir le secret. Zobeirou dit être le précurseur de la technique à Bamako. Après avoir bien lavé les poulets, ils passent à la marinade pour ensuite les mettre au feu. Ça prend du temps, mais c'est très bon. La demande est forte. Zobeirou emploie environ une quinzaine de personnes, dont 7 Maliens. Ceux-ci font la ronde pour livrer ces poulets grillés, tendres et juteux, accompagnés d'un assaisonnement épicé appelé le kankamugu. On peut vendre plus d'une centaine de poulets par jour. Grâce surtout à l'AES, nous sommes dans les bonnes conditions ici au Mali. Leur plus grande spécialité reste aussi le kilishi. Ces feuilles de viande soigneusement travaillées ravivent la vedette même dans les rayons des supermarchés. Les Nigériens font tourner l'économie malienne à leur façon. Ce qui est sûr, le goût de leur poulet grillé fait aussi tourner la langue deux fois dans la bouche. Voilà Papa Idara, on va essayer de tester. Voilà. Pour maintenir, à présent, on va mettre le cap sur Ouagadougou, pour maintenir les militaires admis à la retraite dans les segments de production, le ministère en charge de la défense et des anciens combattants a mis en place une politique de reconversion des personnels des forces armées nationales. Dans ce cadre, 80 porteurs de projets en agriculture et en élevage participent à une formation à Ouagadougou. Des militaires paramilitaires et des volontaires pour la défense de la patrie prennent part à cette formation. La correspondance de Judas Sahel Kafando depuis les studios de Radio Burkina. Trois semaines de cours théoriques et pratiques dans plusieurs domaines, notamment la production végétale, l'embouche bovine et la maraîchiculture. C'est ce qui attend les 80 porteurs du projet, une formation jugée bénéfique pour les participants. Herman Bourgou est contrôleur de sécurité pénitentiaire. Moi, je suis en cours. Je me prépare à rejoindre les rangs. Et comme on le dit, on n'attend pas effectivement aller à la retraite pour bénéficier de ce genre de formation. Donc l'idéal serait effectivement, avant d'aller, qu'on vous prépare d'abord. On a coutume de dire, la terre ne ment pas. Mais il faut aussi connaître, depuis longtemps, on a connu des travaux champêtres, mais peut-être rudimentaires. Mais avec la formation qu'on va nous donner, je crois que nous allons être capables d'améliorer
nos productions et même en élevage. Le parrain de cette session de formation salue l'initiative et propose plusieurs mesures d'accompagnement pour soutenir ces filles. Karim Ouattara, directeur général de la maison de l'entreprise. Nous sommes aux côtés du ministère de la Défense des anciens combattants pour mener la réflexion dans le sens de pouvoir proposer en tout cas des mécanismes d'accompagnement pour tout ce qui concerne nos VDP et nos FDS. À l'endroit de mes filles, j'ai proposé à ce qu'on puisse leur donner une formation gratuite pour ce qui est de la création, du management et de la gestion de la nouvelle entreprise. J'ai également proposé de pouvoir accorder une réduction sur la partie concernant les frais de prestation de la maison de crée au moment où certains voudront en tout cas créer leur entreprise. J'ai également proposé d'accompagner nos filles à travers les différents projets et programmes. La chaîne de reconversion a été mise en œuvre en 2009. Depuis lors, 605 militaires ont été placés, environ 1500 sont formés et 208 ont été accompagnés pour un financement total de plus de 540 millions de francs CFA. Direction Niamey à présent, le cancer du sein est une maladie très fréquente dans nos sociétés. Son traitement s'est fait à Niamey dans un centre spécialisé. Alors, comment se traite cette maladie ? Et comment se fait sa prise en charge ? Élément de réponse dans ce reportage signé Sakinatou Abdou. La prise en charge du cancer du sein se fait au Niger et principalement au Centre national de lutte contre le cancer. Pour rappel, le cancer du sein est une prolifération des cellules du sein devenues anormales. Dans le centre de prise en charge, l'on accueille les patients issus de Niamey et de l'intérieur du pays dont le diagnostic est déjà posé. Docteur Issaka Haruna, cancérologue médical au Centre national de lutte contre le cancer. Quand le diagnostic est posé, on nous réfère les patients qui sont accueillis au niveau du tri. On les oriente à aller voir soit les oncologues médicaux ou bien voir les radiothérapeutes. Le cancer du sein se manifeste le plus souvent par l'apparition des nodules non douloureux ou par un écoulement de liquide chez une femme non allaitante. Au Niger, le traitement de ce type de maladie repose principalement sur trois stratégies. Il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie et la radiothérapie. Toutes ces stratégies sont faites au niveau du centre. Au niveau du centre, nous avons des oncochirurgiens. Nous avons des radiothérapeutes, nous avons des oncologues médicaux. En plus de cela, nous avons des équipes qui nous appuient, qui sensibilisent les patients sur la maladie. La durée de la prise en charge du cancer du sein dépend du stade de la maladie, selon Dr Issaka Haruna. Si c'est vraiment vu à un stade précoce, la durée peut aller de 6 mois à 8 mois, c'est-à-dire toutes les étapes. D'abord la chirurgie, après la chirurgie il faut faire la chimiothérapie, après la chimiothérapie il faut faire la radiothérapie et aller à 8 mois. Quand la maladie est avancée, on ne fait pas la chirurgie ni la radiothérapie, c'est la chimiothérapie seulement qu'on va utiliser. Parce que la chimiothérapie elle agit sur tout le corps, partout où se trouve la cellule cancéreuse. Au Centre national de lutte contre le cancer, en 2023, 230 cas de cancer du sein ont été enregistrés. C'est le cancer le plus fréquent dans notre pays, mais heureusement, sa prise en charge est gratuite en grande partie et sa guérison est certaine s'il est détecté très tôt. Actualité hors de nos frontières, première escale la RDC, le calme est de retour hier dans l'est du pays qui subit depuis 2009 un conflit entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales. C'est au lendemain de l'annonce par les États-Unis de 15 jours supplémentaires de trêve humanitaire. Cette prolongation sera en vigueur jusqu'au 3 août prochain. Elle engage les belligérants à faire taire leurs armes et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables, précise un communiqué du Conseil national de sécurité des États-Unis. Ursula von der Leyen a été réélue hier à la tête de la Commission européenne par le Parlement européen. La présidente sortante a obtenu 401 voix
pour et 284 contre, soit une large majorité en faveur de son second mandat. Il y a 5 ans, la responsable allemande était passée avec une marge de 9 voix. Ce vote est l'aboutissement d'intenses journées de négociations à huis clos qui ont vu donc la politicienne allemande de 65 ans rencontrer les principaux groupes du Parlement afin d'obtenir le plus grand nombre de soutiens possible. La page des sports, c'est tout de suite. Les Aigles olympiques du Mali bouclent ce vendredi leur préparation pour les Jeux olympiques Paris 2024. Ils affrontent en amical cet après-midi Bobigny 93, 4e division française, à partir de 15h30. Classement FIFA du mois de juillet publié hier jeudi, les Aigles perdent 3 places. Le Mali est 9e en Afrique. Et 53e mondial. Dans le cadre de l'émission intitulée 90 minutes pour convaincre, une initiative de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, le commissaire colonel Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball, a eu des échanges hier jeudi avec la presse sportive à la maison de la presse Caridas du championnat national de première division de basketball. La deuxième journée s'est disputée hier. Le développement de l'actualité sportive avec Fotiki Tunkara. Balle au panier avec la deuxième journée du Caridas du championnat national de première division de basketball qui s'est joué hier avec des résultats suivants. Chez les hommes, le Djelba AC a battu l'ISFAS 61-55. L'ASRL a perdu contre le Stade malien 67-89. Chez les hommes, Atar Club de Kidal s'est incliné devant l'ISFAS 65-84. L'AS Police a perdu contre le Stade malien 65-71. La compétition fait relâche ce vendredi et reprend ses droits demain samedi avec les rencontres suivantes. À 14h, Atar Stade malien en homme. À 16h, Djelba AC Stade malien en dame. À 18h, ISFAS Irel en dame. Et à 20h, ISFAS AS Police en homme. Tous ces matchs se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000. Sur invitation de l'AGSM, l'Association des journalistes sportifs du Mali, le président de la Fédération malienne de handball, le commissaire colonel Mamadou Chérif Tunkara, était face à la presse ce jeudi. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre du 4e numéro de l'émission de l'AGSM intitulée 90 minutes pour convaincre s'est déroulée à la maison de la presse. Les échanges ont porté sur la vie du handball dans notre pays. Les détails avec Brahima Diallo. Engagé dans le développement du sport, l'Association des journalistes sportifs du Mali, AGSM, poursuit son projet avec l'émission 90 minutes pour convaincre pour l'essor du sport malien. Le 4e numéro de l'émission a eu un invité de marque à la personne du commissaire colonel Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Les échanges ont porté sur plusieurs thèmes. L'état du handball dans notre pays, les statistiques des pratiquants licenciés, les difficultés auxquelles les acteurs font face. L'invité du jour s'est réjoui de l'initiative et a salué à juste titre les organisateurs. Commissaire colonel Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Nous avons saisi cette opportunité pour vraiment venir parler du handball, les projets qu'on a déjà réalisés et les projets futurs que nous avons. Omar Baba Traoré, président de l'AGSM. Il faut assurer au niveau de ta discipline pour être choisi pour venir défendre. Lancée en 2022, cette émission a pour but de promouvoir nos disciplines sportives à travers le Mali. Préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles U23 entament le dernier virage de leur préparation. Ils affrontent en amical ce vendredi Bobigny 93, une équipe de nationale de 4e division française. Le coup d'avoir du match est prévu pour 15h30 temps universel. Ce sera au stade Georges Carnier à Lens. Mercredi, au stade municipal de Brulon, les Aigles Olympiques ont été tenus en échec 2-0 par Paris 13 Atlético, pensionnaire de nationale de 4e division française. Ce match de cet après-midi sera le dernier test des Aigles U23 avant leur entrée en lycée aux Jeux Olympiques Paris 2024 mercredi prochain contre Israël à 19h temps universel au Parc des Princes. Classement FIFA du mois de juillet. Après l'Euro 2024 et la Copa América 2024, l'instance mondiale du football a rendu public hier jeudi son classement des différentes sélections nationales pour ce mois. Les Aigles perdent 3 places dans ce classement. Notre pays, le Mali, est 9e en Afrique et 53e mondial. Si en Afrique, le podium Maroc-Sénégal-Égypte reste inchangé, le Sénégal perd cependant une place au classement mondial et est désormais 19e. La Côte d'Ivoire perd également une place et se pointe à la 38e place sur le plan mondial. Idem pour le Nigeria, qui est maintenant 39e mondial. Le Bénin et le Togo ne perdent pas de place. Ils sont respectivement 91e et 120e mondial. Le Niger gagne 3 places et se classe 35e en Afrique et 125e au monde. Le prochain classement FIFA sera publié le 19 septembre prochain, soit quelques jours après les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. A préciser que le podium au plan mondial est occupé par les trios Argentine, France, Espagne.
chronique du développement. On les appelle les institutions de Bretton Woods, du nom de la ville américaine qui a abrité la conférence constitutive des deux institutions en juillet 1944. Le FMI et la Banque mondiale regroupent presque tous les pays reconnus par les Nations unies. Le Mali est membre des deux institutions depuis les premières années de l'indépendance. Suivons en rediffusion ce numéro de la chronique du développement avec Soumaïla Berthé et Marc Dambélé. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI concourent respectivement au développement économique des pays à revenus faibles et à la régulation du système monétaire international. Si elles sont deux institutions distinctes, leurs missions sont complémentaires. Modibo Mahomakalou, économiste. Par rapport au Fonds monétaire international, c'est surtout l'aspect macroéconomique. C'est les grands équilibres macroéconomiques pour assurer la stabilité financière dans le monde. Aussi, s'assurer que le système monétaire international fonctionne bien, mais s'occuper aussi des problèmes comme la balance des paiements, les déséquilibres macroéconomiques, l'inflation, tout ce qui peut entraver la bonne marche de l'économie, surtout au niveau des grands équilibre macroéconomique. C'est surtout l'aspect financement qui prévaut le plus à travers ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux qui sont une réserve internationale qu'elle a en commun avec la Banque mondiale. Donc pour revenir à la Banque mondiale, elle était chargée quand même de remettre les pays sur pied sur le plan économique, d'assurer la prospérité, de lutter contre la pauvreté et surtout de reconstruire ces pays qui avait subi les effets de la guerre, mais aussi de la Grande Dépression des années 30. À ce jour, le FMI compte 190 pays membres et la Banque mondiale 189. Le Mali a adhéré aux deux institutions de Bretton Woods en septembre 1963 en tant qu'actionnaire. À ce titre, notre pays bénéficie de leur aide ou de leur assistance. Et ce qu'il faut surtout retenir de la Banque mondiale, c'est qu'il y a sa branche qui s'occupe des pays qui ont les revenus les plus faibles, qu'on appelle l'IDA, l'Association internationale pour le développement, qui fournit des prêts à des taux faibles à des pays comme le Mali, mais aussi qui fait des dons et fait aussi de la formation pour nos pays et finance aussi beaucoup de projets dans nos pays. Je pense que le portefeuille de la Banque mondiale approche les 2 milliards de dollars, environ 1 200 milliards de francs CFA actuellement. Le Fonds monétaire aussi aide beaucoup les pays qui sont en difficulté de balance des paiements. Je pense que le Mali est aussi bénéficiaire des conseils du Fonds monétaire international, mais aussi de l'assistance. Comme vous le savez, quand il y a eu des chocs exogènes comme la pandémie de la COVID, il y a quand même 650 milliards de dollars qui ont été quand même distribués aux pays pour les aider à résoudre leurs problèmes de trésorerie. L'Afrique est majoritairement représentée au niveau des deux institutions monétaires, mais ses actions sont minoritaires. C'est pourquoi sa voix porte paix au niveau des instances de décision. Modibo Mahomakalou. Les Africains sont ceux qui ont le moins de pouvoir, parce que nous avons le moins de quote-part. Donc ce qui fait que, évidemment, notre voix n'est pas tellement audible au niveau des instances de décision de ces deux institutions. Il faut que cela change un peu, parce que, évidemment, l'Afrique aujourd'hui, c'est quand même 18% de la population mondiale. Nous sommes 1,5 milliard d'Africains. Nous sommes 54 pays africains. Et je pense que si l'Afrique parle d'une seule voix, je pense que nous pourrons davantage nous faire entendre dans le système international, que ce soit économique ou politique, à travers les Nations Unies. Vous savez qu'il a été suggéré que l'Afrique ait une voix au sein du Conseil de sécurité, mais aussi les Africains sont en train de se battre pour qu'ils aient une plus grande voix, parce que cela est possible en essayant d'obtenir des parts supplémentaires au niveau des capitaux de ces deux entités, pour que nous soyons encore plus représentatifs au niveau du conseil d'administration. Parce qu'évidemment, c'est nous qui avons le plus besoin de ces deux institutions et il faut que nous ayons notre mot à dire pour ce que ces institutions font, surtout pour nous. Il est donc impérieux d'inverser cette tendance afin que les pays en voie de développement aient leur mot à dire, eux qui ont le plus besoin des deux institutions pour financer leurs projets et assurer la stabilité financière. C'est la fin de ce journal. Présentation Kodji Sibi, mise en onde Mamadou Bédialo, mise en ligne Tamsir Diabaté. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré
qui m'a aidé à le préparer. Tout à l'heure, les informations météo avec Djeneba Doumbia. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.